Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette petite nouvelle vidéo, je voulais vous présenter un produit, quelque chose que je voulais m'acheter depuis pas mal d'années. On est sur un couteau papillon. Je pense que peu d'entre vous en ont vu, en tout cas en magasin ou autre, c'est même sur internet, Amazon ou d'autres sites, après je connais pas tous les sites, mais je sais qu'en général c'est des choses que moi personnellement, en prix de faire depuis pas mal de temps, c'est des choses que je cherchais, qui me faisaient envie depuis longtemps et que je n'avais quasiment jamais vu. Et là je suis tombé dessus par hasard en faisant les courses et franchement belle découverte. Donc comme vous le voyez, on est sur une lame en acier, hein, voilà. Sur une épaisseur de 3 mm, donc quelque chose de plutôt robuste. En tout cas, la manière dont on le tient, quelque chose de vraiment très agréable à tenir. Après, vous avez donc le coup de vous le tenez dans la main, normal. On a ces petits systèmes de trous. J'imagine que c'est peut-être fait pour passer des cordes ou des câblages, peut-être. Ça peut être une utilisation. Ou peut-être pour accrocher sur un sac. En tout cas, on est sur quelque chose d'assez léger, à quelques centaines de grammes à peine. Hein, voilà. Franchement, on est sur du beau matériau, donc on est surtout de l'acier, hein, en général. Comme vous voyez, on a une partie un petit peu articulation à ce niveau-là, enfin avec les deux pivots et compagnie. En tout cas, pour la marque, c'est de la marque King Blades. Donc malheureusement, on est sur quelque chose de taïwanais. J'aurais aimé que ce ne soit pas le cas. Au moins fabriqué plus proche, mais malheureusement, c'est un petit peu tout ce que j'ai trouvé. Donc désolé sur ça, j'aurais préféré même que ce soit européen ou français idéalement. On peut pas tellement faire autrement pour ça. Donc voilà, le petit système de tu lèves, ça se décale, tu tournes, tu le renclenches derrière, et après tu as un couteau complètement fonctionnel. En termes de coupe, on est sur quelque chose de très très aiguisé, hein, comme vous pouvez le voir. Je crois que ça c'était un test de coupe pour voir si ça coupait bien. Il faudrait que vous me redisiez en commentaire si vous maîtrisez mieux que ça, mieux que moi en tout cas à ce niveau-là. Et après en termes de coupe, bon, là on est sur quelque chose d'un petit peu en diagonale, donc c'est un peu par rapport à la manière dont c'est filmé, c'est un peu compliqué. Mais après, deux couches de papier, on est sur quelque chose de plutôt pas mal, je dirais. Je suis pas expert dans l'aiguisage des couteaux, de toute façon sur ça j'en ai que très peu fait. Mais on peut se dire quand même que ça coupe pas mal. Donc à savoir si c'est de la qualité ou pas, je ne sais pas. En tout cas dans le poids, ça paraît être le cas, hein, on est sur quelque chose de qui paraît plutôt robuste. Assez lourd, bonne prise en main, franchement sympa. Donc voilà, Stainless Steel et de la marque King's Blades, tac tac, comme vous le voyez. Concernant le prix, alors peut-être que certains trouveront ça un peu cher pour ce que c'est, mais il m'a coûté 30 euros, enfin 29 euros. Principalement acheté dans un une sorte de, comment on dit déjà, c'est un ensemble que j'ai trouvé dans un, plutôt acheté dans un magasin qui vend tout ce qui est oui, cordonnerie, refont les clés et compagnie, et il y avait ça en vitrine avec des opinels évidemment. Couteau suisse et autres couteaux du style à la CSGO, mais en tout cas on est sur du bon matos à ce niveau là je trouve. Donc à tester plus longtemps, voir ça. Mais franchement, bien plaisant. Donc voilà, je vous laisse ça ici. Deux vidéos également juste là, si jamais vous voulez voir d'autres choses de ma chaîne. Hein, parce qu'on est sur le premier vrai test de couteau. En tout cas, d'exemple de couteau. Et en plein centre, vous pouvez au cas où vous abonner en cliquant juste ici. Ça fait plaisir. Merci à vous. Bonne soirée. Ciao, ciao!